وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصيب منه رواه البخاري. Quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il le confronte à l'adversité, au désagrément, à la tribulation. Face à l'adversité, ou encore si nous sommes submergés par des événements ou des situations désagréables, eh bien, il n'est pas rare d'entendre ce genre de réflexion. Qu'est-ce que j'ai bien fait au bon Dieu? Ou encore, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il m'arrive autant d'épreuves, autant de difficultés? Subhanallah. Que l'on soit éprouvé dans notre corps, on tombe malade par exemple, ou encore dans notre fortune, dans nos biens, on gagnait 3000 euros par mois et d'un coup on se retrouve avec 500 euros par mois, ou alors que ce soit dans tout ce que nous aimons. Eh bien, il y a une attitude à adopter par rapport à cette difficulté que nous allons rencontrer. En effet, Allah a la capacité de nous accabler de revers dans notre vie jusqu'à ce que nous soyons soumis à cette épreuve. Quel genre d'épreuve? En fait, Allah regarde si nous allons faire preuve de patience par rapport à ces difficultés ou alors est-ce que nous allons nous laisser aller à l'angoisse ou à la tristesse. L'affaire du croyant est surprenante. Certes, tout ce qui lui arrive est un bien, et cette faveur n'appartient qu'aux croyants. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, et c'est là pour lui une bonne chose. Et si il est atteint par l'adversité, il patiente, et c'est là encore pour lui une bonne chose. Lorsque Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parle du croyant ici, il parle de ce croyant ou de cette croyante qui a la foi complète. Ce croyant ou cette croyante qui est informé au sujet d'Allah, ce croyant ou cette croyante qui est content de la décision d'Allah, ce croyant ou cette croyante qui agit conformément à la promesse qu'Allah a faite. Sa réaction face à l'adversité va lui faire obtenir le bien dans les deux mondes, à l'inverse de celui qui sera incomplet dans sa foi, naqisul iman.